Organise son prochain spectacle. Pour ce faire, tous les bénévoles seront les bienvenus, seuls ou en famille. Nous cherchons des volontaires pour être comédienne ou comédien, figurant ou figurante, pour fabriquer et concevoir les décors et les costumes. Nous cherchons des gens pour la logistique, pour la communication, pour le site internet, pourquoi pas? Alors, on se le dit, à bon entendeur, salut! Allez bien la population! Oh, j'ai toujours aimé les chapeaux. C'est vrai? Et alors, qu'est-ce que tu nous dirais? Eh ben, qu'il faut travailler du chapeau. On est la chorale d'Anduze. On est au forum des associations et on essaie de recruter des hommes. Des femmes, mais surtout des hommes, parce qu'il manque toujours d'hommes dans les chorales. Oui. Ah, les hommes sont plus timides alors. Alors, je suis Philippe Couré, je suis le président de l'association de Jazz au Parc, qui organise ce fabuleux festival éponyme, voilà, à Anduze. Et qui existe depuis 3 ans. Qui existe depuis 3 ans, c'est la 3e édition, voilà, qui a très bien fonctionné encore cette année, et on est vraiment très, très heureux de ça. Vous avez eu presque trop de monde, non ou pas? C'est vrai qu'on a refusé du monde, voilà. Ouais. On a refusé du monde parce que le parc, il a quand même ses limites, ouais. Et donc on a dû, le samedi soir, refuser du monde, ouais, malheureusement. Et vous travaillez déjà donc pour la programmation de l'année prochaine? Ben, on y réfléchit, oui, on y réfléchit. Il y a déjà des pistes ou... Oui, il y a des pistes. Oui, ouais, il y a des pistes, puisqu'il y a des tournées qui s'organisent, donc voilà, on est en contact avec les tournées. Donc il y a des pistes. Ce sera toujours sur 2 jours a priori, 2 soirées, pour le IN dans le parc. Et toujours plein de choses autour du festival, des ateliers, des stages, des concerts off. Voilà. Et dans le style de jazz que vous choisissez, il n'y a pas un style particulier? Non, il n'y a pas un style particulier. On est assez ouvert. Ce qui est compliqué, c'est que comme c'est sur 2 soirées, ouais, avec 2 plateaux, c'est vite orienté sur un style ou un autre, puisque forcément, ça va assez vite. C'est vrai que l'idéal, ce serait de... ça dure un peu plus longtemps pour varier un peu plus le style. Mais on aime quand même mélanger les choses, voilà, qu'il soit un bon mélange, et pas forcément typer quel style que ce soit, même si on a un dance camp qui est orienté swing, oui, sur un jazz classique en fait pour la danse, mais voilà. Mais sur les gros plateaux, on n'est pas forcément déterminé sur un style plus qu'un autre. Ok, au point de vue nombre de bénévoles, vous êtes combien de bénévoles? Alors on a passé la 100aine cette année, donc c'est quand même pas mal, parce qu'en plus on s'est occupé de la restauration, donc on avait besoin de beaucoup de bras et d'énergie. Donc on remercie encore tout le monde, ça a été fabuleux. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Un garde champêtre, ça boit pas d'alcool. Non, je suis à l'eau là. Je bois l'eau.